Mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Nouvelle série, nouvelle vidéo, enfin nouveau, cette fois-ci. Oui, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'ai découvert une petite pépite du monde du YouTube Game, il va donner son autorisation. C'est Cosmic Shock qui fait des story time sur Brawl Stars. Très sympathique. Ça veut dire qu'on va être dans une histoire. Voilà, on va être dans un mode histoire dans Brawl Stars, vraiment comme un film. Voilà, on va être dans le film de Brawl Stars, mais in-game et tout, d'ailleurs, c'est super bien fait. Et donc, je me suis pas trop spoilé quand même parce que je veux découvrir l'histoire en même temps que vous, voir un peu les réacts, tout ça. Et donc, si vous kiffez et vous voulez un prochain épisode, 5000 pouces bleus, c'est pas cher. 5000 pouces, c'est tarif à peu près habituel. Donc là, vraiment, vous mettez-les bien parce que franchement, vous allez voir, c'est kiffant. Voilà, restez jusqu'au bout, c'est kiffant. Deux histoires aujourd'hui, celle de Nita. Le nouveau skin Nyan, et celle, j'ai une petite sélection parce que j'aime bien ce skin-là, enfin il est un peu délire, celui de Jean Desmarais. Donc vous allez voir, sympathique, code créateur BFA dans la boutique, il y a le Brawl Pass, donc n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, pensez juste à mettre le petit code avant, 3 lettres, c'est vite fait, ça mange pas de pain, et ça m'aide beaucoup, voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne, à 2 millions d'abonnés, on fait une 2 millions de dinguerie de je sais pas quoi, mais on va le décider en commentaire un peu plus tard quand ça viendra. On est parti, boum. Allez, Cosmic Shock, c'est lui. Je vais prendre une canette pour la peine. Voilà, sponsorisé par Coca, même s'il paye pas, c'est pas grave. On aime ça, voilà. Ah ouais, donc lui, il a vraiment eu le skin en plus. Hein. Regardez, il l'a acheté et tout. Beau gosse, ça permet de faire des, ça permet de faire des vidéos. Il a du tryhard, hein. Il a du tryhard. Nita a 13 ans. Elle peut maintenant aller dans l'aventure. Bon, je sais pas, c'est la traduction. Oh, c'est ma traduction à moi. Hein. C'est, hein. En gros, elle a 13 piges, elle a son petit émo de cœur, elle découvre la vie. Elle découvre beau. Alors, genre, il y a un peu une ambiance. Hein. Bon, lui dit, good luck, Nita. Ah, bonne chance pour ta journée. Pourquoi, genre, il va lui arriver des galères. Attendez, j'ai pas eu le temps de voir. T'as dit, prends ton premier son starting brawler. De quoi il parlait? Ah, peut-être. Attendez, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Bon, en tout cas, elle est dans un petit pays sympathique avec une belle en garde du corps ou quoi. C'est Mirador, ça. Un petit cœur de belle, ok. Elle a l'air contente, hein. Oh, mec. Les ours enfermés. Byron. Je suis le professeur Byron. Tu peux choisir ton brawler. Ah, c'est ça qu'il disait, va prendre ton truc. Ah, genre, va prendre ton pet, quoi. Elle a choisi le rouge. Bah, tu m'étonnes. Elle a le skin du rouge, elle a pas de skin. Ah, c'est un vendeur de pets de Nita, le mec. Énorme. Oh. Elle a disparu, ça y est, elle l'a eu dans la poche. Elle l'a mis dans... Comme Sport Billy, pour ceux qu'on connaît, il rétrécissait sa voiture, il l'a foutu dans la poche. Elle est partie avec son pet. Ah ouais. Ah, il y a Nita quoi là aussi. Ah, genre le mec c'est... Ah, genre il voit des... Le mec il voit des Nita tous les jours. Ah, il se fait dire, regardez, il se frotte les mains et il va se faire d'oseille. Bien joué. Ok. Petit panda, donc le mec en gros nous dit que c'est un bon businessman, il a rupture de stock quoi. Si tu veux y aller après chercher ton petit ours, y a plus. Allez, bonne chance pour votre journée. Ok. Bah écoute, merci Byron. Ah mais ils ont tous les emotes en plus, c'est que moi je les ai pas. Hein. Enfin y en a, franchement il faut être équipé en plus pour faire des vidéos comme ça, hein, mine de rien. Wow, une flopée de Korbach. Ah la petite musique, wow, ils sont pas sympas. Wow, elle se fait maltraiter gros. SL 9-3. Ah ouais. Heureusement qu'elle a son. Ah, il se barre. Il a flippé. D'accord. Ok. Ils ont peur de l'ours. Oh là là, il y en a encore. Purée, c'est une région dangereuse où elle va, elle. Hein. Ouais. Tu découvres la vie, ma petite. Hein. Ah ouais, heureusement que t'as ton ourson là. Ah. Partiellement Lornen. Ah, il a partiellement appris le. Le comment ça s'appelle? Le Star Power patte, bonne patte là. Excellent. Il n'a pas encore toute la puissance du Star Power. Grandis petit ours. Ah maintenant il a plus assez d'HP pour se battre. Plus assez d'HP, c'est pas une bonne raison. Et il a plus sa santé, il est fatigué. Waouh. Le fameux. Wow. J'adore comment il passe comme ça, genre. Et il a du super yash à faire une. Comment dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais le narrateur. J'avais pas l'habitude de faire narrateur. Qu'était-ce donc? Oh, magicien. Un Byron magicien. Eh, j'ai vu quelque chose de chelou. C'était quoi? Ah, oh, c'était le skin que tu peux obtenir en battant le gym leader. C'est qui celui-là?
Et où est-ce que je peux le trouver? My Bruce, il... Enfin, mon Bruce... Ah, son Bruce, c'est son... son Bruce. Bruce, c'est le nom qu'elle lui donne à... Il s'appelle Bruce, l'ourson, là. Il dit qu'il est fatigué. Donc, il lui a dit où aller trouver le patron de la gym, là. La salle de sport, quoi. Faut être salle de sport. OK. Ah, donc là, il arrive à la salle de sport et... C'est pour courir. Débarre. OK. Your Bruce is completely fine, now. Ah non, en fait c'est à l'hôpital, elle a... Qu'est-ce que je... Elle a été à l'hosto soigner son Bruce. Where is my... Allez, maintenant il faut trouver la Broly Gym. Ah, salle de sport quoi. Ok, là-bas, tout en haut du truc, enfin, go front strength. Bon, tout droit, non? Merci pour ton aide, Rosa. Elle cool, Rosa. Très bon. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis dans l'histoire, là. Faut qu'elle aille fight, je sais pas qui, à la salle de sport pour aller unlock le skin. Je suis Nita, je suis venu pour te fracasser, en gros. Ah, t'es là pour voir le skin de Nayan, espèce de bichetot. Ok, so rules, rien. Attendez, ça va trop vite. Attends, je crois qu'elle a besoin de deux brawlers pour se battre. Ok, ok, mais même avec un brawler, tu peux gagner. Hein. Genre, si tu veux fight tout seul, mais en gros, il te faut un poteau. Donc, elle va... Ok. Ah, elle doit fight l'ours. Vas-y. Oh, il a 7600 d'HP, hein. Je veux pas dire que c'était pipé de base. Hein. Non. T'as perdu. Loser. Mais non. Sur Bruce Level... Ah, ton petit Bruce, il est pas assez fort. Hein. Reviens quand tu seras entraîné... Et que tu pourras faire du 2v2 aussi, parce que là, toute seule et avec un Bruce fatigué, tu passeras jamais. Ah, retourne dans l'hôpital. Ah oui, bah du coup... Ah ouais, le Bruce, il s'est pris... Bah ouais, il s'est pris un knockout, bro. Il s'est pris... Ah ouais. Ah, va s'entraîner. Mais c'est où, ça? Ça nous a pas dit comment ça s'appelle, cet endroit d'entraînement, là. Wow, il y a une Jessie Vénère, là. Comment ça s'appelle? Je l'ai pas, le skin en plus. Allez, l'ours, il s'entraîne. Ouais, il s'est fait des boîtes, il va encore se faire un pédale. Comment t'as fait ça? Bah là, c'est la hyper attaque. Bah oui, mais elle a pas ça, elle. Bah oui, mais quoi, tu... Ah, elle a reçu bonne patte. Ah, genre, elle, ça... Ah, va débloquer les Star Power. Mais oui, tout à l'heure, on avait dit qu'il l'avait partiellement. Ah, ça y est, il a sa bonne patte. Ah non, pas encore à fond. Là, il a pas le gadget. Mais c'est squelette faux pur. Ah, comment il s'appelle celui-là, le... Oh, ça y est, elle a unlock le gadget de protection, là. Comment il s'appelle? Je sais plus, j'ai plus tous les noms des gadgets en tête, les potes, hein. Il faut qu'elle apprenne le stun, peut-être, aussi, non? Ah, il a stun, non? Ah, il a stun, je crois. The Bear Pose. Ah, voilà, elle a le stun, maintenant. Ah, ouais! Un petit équipement peut-être, non? Ben quoi que ce soit. Ah ouais, ça y est, elle est ready pour le fight. Elle a bonne patte plus le stun. Ah, ça strat, hein. Excellent. Ah, elle retourne à la vallée des crocs. Waouh. Ah, elle veut se faire poteau avec le corps. Non. Elle va faire poteau avec le corps back. Non, c'est passé, ça va être son... J'ai compris, ça y est. Elle va faire 2v2 avec Korbach. Mais je sais pas ce qu'il vaut ton Korbach, hein. Il y avait un phoenix, hein, au début dans le... Ah, ça y est. Allez, c'est le moment de te battre. Waouh. Ah, il a le skin Nita en mer. Ah, mais son Korbach, il est équipé, lui. Ah, il a gagné. Ah ouais, il a gagné, 1-0. GG, ça. Ah, belle, elle est en PLS. C'est le moment de voir si la bonne patte. Et le stun va faire son travail face à cette... Ah, il a 6000 HP maintenant et lui, il a 7... Eh, moi, on me la fait pas. Hein. Je l'ai vu, tout ça. Ah, mais il a pas eu ses bonnes pattes. Elle a utilisé l'autre. Elle a utilisé le bouclier. Vous avez vu? Ah, ça y est, elle a eu son skin. Waouh, stylé. Et c'est donc ça, l'histoire du skin. Nita Nayan, voilà ce qui s'est passé. Dès l'âge de ses 13 ans, elle était destinée à devenir une Nita Nayan. Il me le faut, du coup, le skin. Moi, quand j'ai vu, maintenant, j'ai vu ses stats. Ah, bah, elle va l'hosto encore. Elle va réparer.
Je sais pas si c'est l'hosto parce qu'au début j'ai pas fait gaffe la première phrase qu'il y avait sur ça. Vous êtes bien. Mais je crois que c'est un peu l'hôpital quoi, c'est chez le médecin quoi. Ah ouais BG, ah ouais BG, retourne dans sa salle, c'est un peu Bruce Lee. After me, non. Ah va découvrir des nouvelles ouais, des nouveaux endroits, machin, bah ouais maintenant elle est belle gosse. Eh c'est fini comme ça et maintenant ça va être l'histoire. Ah elle était belle l'histoire. L'histoire du jean des marais. J'ai kiffé, hein, grave kiffé personnellement. Ok. Il y avait deux frères, Jean. Des jumeaux quoi. Bah après, bon, vu qu'ils sont pas skinés, on peut dire que c'est des jumeaux ou pas. Ils jouaient ensemble. Ah putain, ils ont des jeux les jeans. Des ults et des gadgets. Ah. Et des emotes très fantasques. Un jour, ils ont été au lac. Et là. Oh. Wow, la tête de Tata Ginette, comme il a bien fait. Oh. Quelque chose d'étrange. Il s'est fait. Bah, vous avez vu, hein. C'est pas besoin de traduire. Il s'est fait attraper par un truc étrange dans le lac. Ou Loch Ness, peut-être. Ou le fameux jean des marais. Il est pas des marais, celui-là. Ah, un jean en argent est apparu. Le son, c'est excellent. Ton brother a été choisi pour être le gardien du lac. Oh. Il en PLS. Non! Prends-moi à la place de mon frère. Fou toi, barre-toi. Ok, je peux faire ça. Ah, c'est une histoire qui va nous faire pleurer, je sens. J'ai les larmes qui coulent, qui commencent à monter. Ah, le frérot, il est revenu. Oh là là, ah les larmes de Limote. Ah non, moi je peux pas, je suis sensible. Oh, regardez avec la petite musique. Ah non. Oh. Coup dur. Ah, voilà, ne jamais aller au lac tout seul. Enfin, ils ont été à deux, vous me direz, mais. Pas aller au lac, hein. Ah là là, il est en fait, c'est ça, j'adore ce type. Ce type mode, c'est un de mes préférés. Il parle avec Rosa. Je vais tout raconter à Rosa. Ok. Ah, mais si tu tues le djinn en argent, tu pourras revoir ton frère. Je vais t'apprendre, je vais te donner la puissance pour le battre. Et tu pourras revoir ton frère. Sympa, Rosa. Petit pouce bleu. Oh. Elle l'a transformé en djinn du mal. Ça m'inspire pas confiance, moi. Après, le djinn, il est tué, mais bon, c'est quand même un djinn du mal. Alors après, la Rosa, elle aussi, elle a un petit. Ouais. Un petit like. Quand ça finit comme ça? Non, c'est la pause. Ah bah. Allez-y, hein. Lâchez votre like. Non, il a raison. Waouh, comme il l'a attrapé, le djinn en argent. Ah, mais il est fort, hein. Il a pris. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça a été. Eh, il l'a. Il l'a défoncé, quoi. Mais l'autre, il réagissait pas. L'autre, il était un peu AFK quand même. Mais bon, on va pas mettre des liens d'AFK dans les stories. Où est le frérot maintenant? Eh hey, frérot! Il est en panique un peu, genre il a pas reconnu son frère. Non? Vous croyez pas? Non, il a l'air. Ok. Tu vas tirer le gardien du lac. Maintenant, plus personne ne peut stopper le djinn des marais. Oh! Qu'est-ce que tu signifies par là? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu voulais. Hein? Ah, tu t'es servi de moi? C'était mon plan! Oh, en fait, il n'y a plus de gardien du lac! Et maintenant, le méchant. Bah, je pense que Belling est méchant. Le méchant djinn des marais. Plus rien ne peut l'arrêter. Ah, merde alors. Enfin, mince. Ça perd les popettes. Maintenant, il va utiliser tout son pouvoir. Oh non. Il va nous envahir sans marais partout. Quelle catastrophe arrive sur notre map. C'est des barres en vrai. Le mec, il a de l'imagination. Non! Comment on va finir cette histoire? Qu'est-ce que vous prédisez, là? Ben, il va falloir qu'ils se fight en vrai, non? Enfin, je sais pas, faut qu'ils aillent voir un maître Sensei. Faut qu'ils aillent voir Frank. Mais je sais pas si Frank est sorti. Non, bah non, je crois pas qu'il était sorti à l'époque, Frank. Il existait même pas, je crois. Non, faut qu'il aille voir. Qu'est-ce qu'il peut aller voir? Ah, drapeau. Il a mis les mots drapeau blanc. Je suis mort.
Regarde le petit sourire jaune, on le connaît celui-là. Les mecs qui font genre, ils veulent timer, ils veulent t'éclater. Ah, il a... Ah ouais, d'accord. Faut qu'il passe les deux maîtres citrouilles. Ah, c'est tout, c'est chaud, frère. Hein. Ils sont morts. Hein. Ça, c'est mort. Hein. Ça, c'est mort de chez mort. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, d'accord, c'est des bananes, en fait, les... Ah! Que dites-vous de ça? Ils ont passé deux gardiens, quand même. Ah ah! La petite tête de... Ah, la tête de petite Jean, et ouais, ça me fume. Ah! Qu'est-ce qu'ils envoient? Faudrait qu'ils envoient un robot, là, non? Oh! Des ghosts... Il est pas crédible, celui de droite, avec son emote, genre... Yes! Ça passe! C'est le combat final, là. Ça sent le combat final, ça. Là, ça serait très... Ou alors, ça c'est APLS, hein, parce que là, ça, y a quand même plus... Le monde est bientôt foutu, là. Il gagne du terrain. Oh, ça y est. Oh, ça se dé... oh, ça y est, c'est le... Oh là là. Oh, regardez-moi ce combat. Oh, ce jeu de jambes de Rosa qui passe pas. Qui passe peut-être. Oh là là, elle tire... elle tire aucun rapport. Hein. Elle tape des coups en haut, genre, il y a personne. Ah, c'est cette mise en scène, elle est extraordinaire. C'est, on dirait les combats où il se tape et le mec, il met la patate et puis il a un mètre et qu'il fait... Oh. Énorme. Oh, c'est une histoire mignonne, hein. C'est gentil, hein. C'est bon. Ouais, on a eu chaud, ouais, on a eu chaud. En vrai, on peut trop se parler avec les emotes. T'inquiète, frérot, je t'ai sauvé. Ils ont... Tous les deux, ils ont battu le jean des marées et ont sauvé chacun et le monde. Quelle belle traduction. Vous mettrez un pouce bleu pour la traduction, s'il vous plaît. Qui était ultra fluide, en plus. Derrière la scène. Ah, le making-of. Le making-of... Ah, ça c'est moi avec les abonnés quand je fais les modes zombies. Il y a toujours un pour te fumer le... une game. Coupez. Coupez tout. Ah là, ça y est là. Vas-y, il faut mourir, vite, dépêchez-vous. Faut qu'on retourne la scène. Ah purée, c'est trop ça. Mais vous, vous rendez pas compte. Mais derrière, David, en plus lui, quand il fait ses mises en scène là, en plus il y a la zone qui vient et tout, il a pas le time. Hein. Ça doit prendre du temps, mine de rien. En vrai, c'est du taf, hein. Alors si on a un vieux primo là qui arrive et qui te bousille ta scène, ah, ça part en sucette là. Mais ils font quoi? Attends, là en vrai c'était... là en vrai... Ou alors c'était peut-être un... une partie qui voulait... Non, c'est pas une scène, c'est un truc. Ça finit comment cette histoire là? Ouais, parce que là il y a... Ah ouais, non, je crois que c'est le primo, il troll. Hein. Le mec, il n'arrive pas à se tuer ou c'est un truc... Non, non, il tourne, il fait exprès. Ça troll, ça troll. Ça troll de ouf, les potes. Mais je crois que ça va finir comme ça. Hein. Je crois qu'il y a... Je regarde juste, il y a une petite scène après, mais je crois que c'est... Non, je crois qu'on... Je crois qu'il va finir à la zone. Hein. Et ouais, les potes, hein, ça finit à la zone. Ah ouais, c'est ça. C'est le... Voilà. Et là, il s'est fait ce biboune. Ok. Ça finit comme ça. C'était sympathique. C'était très bien. Moi, je me ferais bien un prochain épisode. Donc, si vous mettez 5000 pouces bleus, ça serait vraiment cool. À la prochaine. Ciao, ciao.